suis ici au large du Panama, où vient juste d'être découvert ce qui pourrait être le cercueil du légendaire explorateur Sir Francis Drake, la mer il y a plus de 400 ans. Tu es sûr de vouloir profaner la sépulture de ton ancêtre de cette manière? T'as l'air de trouver ça horrible. Au fait, depuis quand tu me crois? Ben, j'ai fait des recherches, et apparemment, Francis Drake n'a jamais eu d'enfant. Les historiens se trompent parfois. Par exemple, on ne profane pas un cercueil vide. C'est pas vrai! Petit filou. Qu'est-ce que c'est? Allez, montre-moi. Non, pas question. On a parlé du cercueil. Point barre. Attends une minute. Si mon émission n'avait pas financé cette expédition, tu as eu ton scoop, chérie. Écoute bien, Drake. T'as signé un contrat. J'ai le droit de voir absolument tout ce qui... On peut reparler de ça plus tard. Sully, on a des ennuis. Magne-toi. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Des pirates. Des pirates? Ouais, des pirates modernes. Ils font pas de prisonniers. Enfin, pas de prisonniers hommes. Mais de quoi tu parles? Tu connais les autorités? Oh, c'est une super idée, mais on n'est pas vraiment autorisé à être ici. Quoi? Ouais, si tu veux pas finir dans une prison panaméenne, on devrait s'en occuper nous-mêmes. C'est quoi le pire? On voit bien que tu ne connais pas les prisons panaméennes. Tu sais te servir de ça? Ouais, c'est comme une caméra. Faut juste... je vise et j'appuie, c'est ça? Parfait. C'est parti. Hey, je l'ai comment nous ont-ils retrouvés ici? Ce type me suit depuis des semaines, je pense qu'on est débarrassé. Alors, qu'est-ce que tu leur as fait? Uncharted. C'est une longue histoire, tu sais. Sur Uncharted, Drake... Drake Fortune, j'étais en train de chercher le nom. Ces types t'aiment pas beaucoup, non? Assez bavardé, faut tirer! Ok. Dépêche, c'est lui. Ok, c'est lui. Ils vont remonter. Tu vas payer cher. Voilà. Ils montent à bord! Ah non, je crois pas. Ok. Et voilà. Fais-le. Ils sont là. Et voilà. D'accord. Bon, Sully, tu fais quoi là? Ah, bah oui, dépêche-toi, Sully, là, on n'a pas de temps à faire. En plus, c'est des comment un long. Par contre, je vais voir si je peux changer la modifier de la partie. Parce que c'est. Mon Dieu, Greg! Celui-là, il sort. D'accord, j'ai réussi à tuer à être mort dans. J'ai réussi à être mort dans le. Pourquoi je me retrouve toujours dans Docteur Dernier? Dans le chronomètre. Le chargeur chronomètre. Je crois que je peux dire adieu à ma caution. La cavalerie est arrivée. C'est pas trop tôt quand même. Ah, zut. Le
bateau va sauter. Faut qu'on plonge. Ouais. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Ok. Allez. C'est bon. Viens. Ok. Je peux pas te laisser seul une minute, mon pote. Eh, hey, j'avais la situation en main avant qu'il fasse sauter le bateau. Tu vas bien? Quelques années de thérapie, ça ira. Je reconnais bien là la belle et talentueuse Elena Fischer. La flatterie vous fera passer à la télé. Eh oui, je suis plutôt du genre à travailler dans l'ombre. Victor Sullivan. Ah, oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous diriez de partir avant qu'on se fasse à nouveau remarquer? Bon. Ça, c'est un petit cadeau de Sir Francis. Alors, t'as trouvé le cercueil? Une petite minute. Est-ce que c'est ce que je crois? Ah, le journal perdu de Drake. Il a simulé sa mort, comme je le pensais, Sully. Devait être sur un gros coup. Ouais, bon, sans garder ça pour nous. Merci beaucoup, Monsieur Drake. Je crois que j'ai bien mérité de jeter un petit coup d'œil à ce journal. Écoute, alors qu'il naviguait dans le Pacifique, Drake prit la flotte espagnole par surprise. Il captura leurs navires, il prit leurs cartes, leurs lettres, leurs journaux. Et il reporta tout ça dans ce journal. Alors ça... Mais... De retour en Angleterre, la reine Elisabeth confisqua tous ses écrits de voyage, y compris ce journal. Et elle fit jurer à tout l'équipage de se taire. Oui, alors ça... Tu vois, Drake a découvert un truc lors de ce voyage, Sully. Quelque chose de si secret et de si important qu'il ne pouvait pas l'ébruiter. Ok, Nate, imagine que tout ce que tu me racontes ne m'intéresse pas et viens-en directement au fait, ok? Ah, c'est ce qui s'appelle aller droit au but. Tu dois avoir du succès avec les femmes. Disons qu'elles se plaignent pas. Ok, alors passons aux choses sérieuses. Regarde ça. Oh, oh, oh. Hein? Ce foutu Eldorado. Il était sur un gros coup, hein. Il dit autre chose? Oh, alors maintenant ça t'intéresse? Ouais. Eh bien malheureusement, non. La dernière page a été arrachée. Je te le dis, Sully. Ça y est. Cette fois, ça y est. Ouais. Seulement, on aurait comme un petit problème. Oui, c'est ce que j'ai dit, il a sauté. Il a coulé. Non, c'est pour ça qu'on a une assurance, non? Oh, non, non, la caméra, non, non. La caméra, ça va. T'inquiète pas pour elle, hein, non? Elle est comme neuve, t'inquiète. Sully, la fille sait se tenir. Tu l'aurais vue. Bien, alors va dehors et dis-lui, on vient juste de trouver la Cité d'Or. C'est son producteur qui va être content. Oh, c'est bon. Nate, tu me fais confiance? Plus ou moins. Bien. Parce que le premier blaireau venu va vouloir faire la course au trésor contre nous. À moins qu'on se débarrasse d'elle, tout de suite. T'es un vrai gentleman, Sully. Je sais. C'est nul. Elle s'en remettra. Non, je me fiche qu'on dépasse le budget. Écoute, tu te rends compte que ça pourrait être la plus grosse histoire de l'année? Salut. Non, j'ai pas confiance, ok? C'est pour ça qu'on doit faire vite. Envoie-moi l'équipe de tournage, et je te promets que je vais pouvoir... Les enfoirés... Évidemment, j'aurais dû m'en douter. À la recherche d'Eldorado. Oh! Attends. Attends, petit. Je suis plus tout jeune, tu sais. Ah bah voilà. Mais t'étais assez jeune pour cette serveuse à Lima, pas vrai? C'était différent. Mais ma foi. Bon, option. On va juste modifier un truc. Je... Affichage. Flottinité que je sais pas c'est quoi. On va rester sur
La sensi. Tout aussi épuisant. Voilà. Allez, tiens bon, mon vieux. On est presque arrivé. Tu sais, ça me rappelle. Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai vendu une fausse statuette du 16e siècle là, à Pablo Escobar. Ah, c'était plutôt culotté. Mais le temps qu'il réalise était. Mais est-ce que tu m'écoutes? Bon. Je bois tes paroles. Pourquoi je me fatigue? Tu crois vraiment que Francis Drake est venu jusque-là? On est à des années-lumière de l'Angleterre. Ok, voilà. Alors? Je comprends pas. D'après ça, on est pile au bon endroit. Peut-être que tu sais pas lire ce truc. Fais voir ça. Non, c'est bien ici. Là, y'a rien ici, Nathan. C'est encore une impasse. Des calmes, Sully. Relax. Jetons un coup d'œil. Oui, à mon avis, il doit avoir quelque chose. Allez, on va avancer. Ah, c'est pas vrai. Autant chercher une pucelle dans une maison close. Bah voilà. Voilà, ça c'est mieux. Ok, là je peux pas. Qu'est-ce que c'est? Un cas, tu crois? Non, c'est plus vieux que ça. Je dirais 2000 ans de plus. T'as du mal à grimper ou quoi, Nathan? Voilà. T'as trouvé quelque chose? Rien pour l'instant. Sois prudent là-haut. Hé, hey, il a l'air bizarre le sol en bas. Ouais. Et... ouais, comment faire, je sais plus. Ah, oh, je l'avais fait sur la PS3 avant. Là, je me suis... Oh, creux. On doit trouver un moyen de casser ça. Apparemment, ça a l'air d'être ça. Voilà. Et là, on va pousser. Ouais, c'est ça. Allez, allez, allez. Voilà, c'est bien, Nathan. Bon travail, petit. Bon, on va descendre. Ah, j'ai besoin des longues torches ici. Oh, oh, oh! C'est rien, c'est des chauves-souris. C'est charmant et accueillant ici, hein? C'est pas vraiment ce que t'avais imaginé, hein? Ouais. Mais il est où, ce trésor? Ah, cet endroit a été pillé il y a des siècles. Ouais, par notre bon vieux pirate. Non, c'était pas Drake. Regarde ça. On dirait que les Espagnols sont arrivés avant lui. Ah. C'est quoi ton problème? Nathan, je cherche pas un vulgaire bout de ferraille. Je suis endetté jusqu'au cou. Ah, je comptais vraiment là-dessus. T'es encore trop flambé à l'image, Paris. C'est vrai. Et puis, faut dire que sur ce coup-là, j'ai mal joué. Tu sais, je t'ai toujours dit de faire attention aux mauvais garçons.
Et aux filles aussi. Ouais, c'est toi qui dis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette journaliste. J'ai bien vu comment tu la regardais. Elena? Bah arrête. J'ai plus aucune chance avec elle depuis qu'on l'a abandonnée sur les docks. Tous les coups sont permis en amour, gamin. Ah, et si jamais elle pensait pas comme toi? Eh ben dans ce cas, petit, t'es dans un sacré pétrin. Ces Espagnols ont laissé un sacré... Bon ben voilà les amis, c'est sur ça, ça que je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. Sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, qui sont en bas de la description. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. À laisser un commentaire aussi, ça me fera super plaisir. Allez, bye tout le monde.